pas du tout. Vous ne vous arrêtez donc jamais? Je n'en ai pas vraiment l'occasion, hein. Et puis je suis pas comme certaines, là, qu'on profite de l'absence des patrons pour les pousses, hein. Vous vous attachez vite à vos patrons, vous. Ah oui, oui, toujours, très. Parce que les patrons, voyez-vous, ce ne sont pas des gens comme nous. Mais peut-être extrêmement indulgents avec vous. Oh, vous les défendez toujours. Toujours. Ah, la parole, quand je rentre chez quelqu'un, il m'appartient. Qu'est-ce qui vous fait rigoler? Rien du tout. Non. Oh, ben vous êtes venu pour vous fiche de moi. Moi, non. Oh, ben allez, hein. Allez, retournez dans votre domaine. Oh, hein. Oh, oh, allez, ça va. Passez, baronne, après vous, duchesse. Oh. Qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça, idiote? C'est vous qui avez sonné? Oui, voilà, monsieur et madame. Julien, quand vous aurez convenu madame, allez dîner et venez nous chercher vers 10h. Au revoir, chère madame. À qui est-ce qu'il dit au revoir? À une dame qui est dans l'auto. Non, madame. Est-ce que madame a gagné aux courses? Ah non, j'ai perdu, comme toujours. Tant que madame s'obstinera à jouer tous les perdants, elle ne risquera pas souvent de gagner. Monsieur a gagné, lui. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, oui. Mais moi, je me rattraperai ce soir au baccarat. Pourquoi je pas? Demanderai à Corniche de me prendre dans sa main. Eh bien, pourquoi pas? Vous venez, Madeleine? À propos, vous, dites-moi, 4 verres. Bien, monsieur le ministre. Revenez, Adèle. Ah, Alice? Adèle. Bien, monsieur le ministre. Je suis heureuse de t'avoir enfin tout à moi. Tant mieux, ma chérie. Tant mieux, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah, enfin, nous voilà seuls. Depuis ce matin, je n'ai plus le moment de pouvoir te parler. Ah bon? Ah oui, depuis ton réveil, nous n'avons pas été seuls une seconde. C'est pourtant vrai. Je te tiens. Oui. Profitons-en. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais mon Dieu, c'est grave. Non. Et que mes questions ne te surprennent pas. Voilà. Attends un peu. Qu'est-ce que tu penses de Désiré? Oh, je le trouve parfait. Pas toi? Si, et pas tant. Mais en dehors de toutes les qualités qu'il peut avoir comme valet de chambre, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Je comprends pas ta question. Je veux dire comme homme. Comme homme? J'ai jamais songé à le considérer comme un homme. Pourquoi rougis-tu? Moi? Oui, toi? Parce que tu me gênes. Qu'est-ce que mes questions peuvent avoir de gênant? Si tu me demandais ce que je pense de Madeleine, je te répondrais sans troubler que je la trouve assez jolie fille. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Que je trouve Désiré un homme pas plus mal qu'un autre? Non, non. Que tu me dises exactement ce que tu en penses, sans te troubler. Mais je ne me trouble pas. Alors disons, ça te met en colère. Je ne me mets pas en colère. Mais pourquoi tu m'étudies en disant? Oh, tu m'ennuies à la fin. Je t'ennuie? Ah, c'est la première fois que tu me dis une chose pareille. Je suis étonné que ce soit à propos d'un valet de chambre. La question que je t'ai posée était tout à fait anodine. Et tu m'as donné l'impression d'être outragée. Mais non. Ta question ne m'a pas outragée, mais ton sourire en la posant avait quelque chose de narquois. Qui pouvait te déplaire, mais non pas te gêner. Veux-tu répondre à ma question, ma chérie? Comment trouves-tu Désiré? Je le trouve idéalement beau, là. Désiré? Odette, les choses ne peuvent pas en rester là où elles en sont. Tu dois me dire exactement ce que tu penses de Désiré. Tu recommences, hein? Non, je continue. Je continue sur un ton que je déplore. Mais une fois encore, j'en suis pas responsable. Peux-tu me donner ton opinion loyale sur la conduite de Désiré? Sur sa conduite, mais à quel point de vue? À ton égard. Ah, nous serions sûrement en train de rire comme des fous en ce moment si tu ne t'étais pas troublé si étrangement quand je t'ai parlé de ce garçon.
l'impression que je me troublais. Ça m'ennuie de te priver du plaisir de rire avec moi d'une chose quelle qu'elle soit. Allez. Oh, tu ne veux pas que je t'embrasse? Monsieur, oui. Ah, quand même. Maintenant, pour ne pas t'embarrasser davantage, je vais te poser la question différemment. Dis-moi, a-t-on constaté dans le regard du désiré ou dans son comportement vers toi le plus petit témoignage d'un sentiment que tu lui aurais inspiré sans vouloir? Mais je t'arrête tout de suite, je te dis non. Alors, de toutes mes forces, mais jamais, à aucune seconde, ce garçon n'a cessé non seulement d'être correct, mais parfaitement respectueux. Non. Bon. Eh bien, voilà la réponse que j'attendais. Mais toi, as-tu remarqué quelque chose dans ses façons d'être? Oh, parle-moi du mot. Attends. Non. Pardon. T'as-t-on dit quoi que ce soit sur lui? Rien du tout. Tu n'as pas par hasard reçu une lettre anonyme? Oh, une lettre anonyme, mais de qui, voyons? Tu n'as rien appris sur lui, sur sa conduite dans ses autres classes. Rien, je te dis rien. Oh, ben alors, moi je me demande. Hein. Laisse-moi te parler. Oui. Maintenant que tu m'as répondu, maintenant que j'ai vu à quel point tu étais sincère, je vais te faire rire. Est-ce que tu te souviens de tes rêves? Oh, mon Dieu, non. Je ne sais même pas si je rêve. Est-ce que par hasard tu te souviens du rêve que tu as fait cette nuit? Cette nuit, non. Eh bien, cette nuit, tu as rêvé que Désiré te prenait le gaz. Si, tu rêvais ça tout haut. Tu criais, non, Désiré, je ne veux pas. Qu'est-ce que vous faites? Tu vois donc. Oh, mon Dieu, mais enfin, mais comment une chose pareille a fait m'arriver? Ça, on n'est pas responsable de ses rêves. Seulement, mets-toi à ma place. Oh, mais vraiment, mais bien sûr, mais. Oh, chérie, je suis toute bouleversée, mon Dieu, mais quelle impression ça a dû te faire? Une impression plutôt désagréable, malgré le côté comique d'une pareille aventure. Ah oui, comique, oui. Oui, parce que, soyons justes, Désiré, c'est comique. Ou plutôt, disons, à la longue, c'est devenu comique. À la longue? Oui. Parce que pour dire toute la vérité, ça fait 8 jours que ça dure. Depuis notre arrivée à Deauville, c'est comme ça toutes les nuits. Vos épas me réveillent régulièrement vers 2h du matin. Qu'est-ce que j'ai? Mais tu n'as rien du tout. Ah si, j'ai forcément quelque chose. Non, tu es complètement folle. Tu es complètement folle de croire que tu as quelque chose. Simplement obsédé par cette idée. Mon pauvre chéri, mais c'est toujours le même rêve? Toujours. Ah, tu commences d'abord par être réfractaire. Oh, tu comprends bien. Puis moins réfractaire. Et enfin, très heureuse. Heureuse, non, mais tais-toi. Oh, attends. Moi, il faut que j'aille voir un médecin. Et tout de suite encore. Oh. Ah, tu ne vas pas aller rencontrer ça à un médecin? Mais sa chambre, eh ben, elle est au-dessus de la nôtre. Et s'il m'avait entendu? Mais non. Il faudrait savoir. Mais comment veux-tu? Eh bien, faisons une expérience. Ah, tu ne proposes quand même pas d'aller foutre dans sa chambre si on t'entend crier Désiré de la tienne. Oh, si. Ah non, ça ne m'amuse. Ah, très bien. Alors moi, dans le doute, je ne couche pas là cette nuit. Allons. Ni ailleurs, tu restes. Ni ailleurs? Tu ne peux plus te coucher, jamais? Je ne vais plus jamais m'endormir. Oh! Qu'est-ce que tu as? Ah, ça y est. Quoi? Mais ça y est, mais je me souviens, là. Je revois tout. Pourquoi? Mon rêve. Oh. Tu t'en souviens vraiment? Ah oui. Et alors? Oh.
Reprends-toi. Madame a parlé. Non, c'est madame qui s'amusait à chanter. Ah, c'était du chant. Oui, eh bien oui. Oui. Ah, c'est curieux. Madame. Oh, mais faut le renvoyer, hein, tout de suite. Mais pourquoi? Ah, ben comment pourquoi? Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, c'est moi qui ai rêvé de lui. Ah non, ça suffit. Attendons encore une nuit ou deux. Et si ça continue, évidemment. Évidemment, on fera bien le principal. Et ce sera désolant. Parce que c'est un valet de chambre de premier ordre. Pour une fois qu'on tombe bien, vraiment, tu n'as pas de chance. Fais-le. Oh mon chéri. J'ai l'impression que tu n'es plus le même avec moi. Le même? Pourquoi? Je sais pas, mais il me semble que tu considères que j'ai un peu fait quelque chose de mal. Voilà une idée. Félix. Mon chéri. Avoue-le, cette histoire stupide te fait quelque chose. Je te dirais pas que ça m'a fait plaisir, évidemment. La première nuit, j'ai été surpris. Oui, mais la deuxième après, quand tout a recommencé. La deuxième nuit, je me suis un peu inquiété, je te l'avoue. J'ai alors attendu avec impatience le troisième. Alors, j'ai voulu voir si tes affreux cauchemars, malgré le côté joyeux de ces étaient identiques les uns aux autres. Oui. Et je me suis alors aperçu que c'était toujours les mêmes mots que tu disais. Je me suis convaincu que c'était une obsession, une espèce d'idée fixe. Alors voilà, comment une telle idée avait-elle pu te venir? Hein? On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors maintenant, je me demande quelle peut être la cause de ce rêve qui se renouvelle ainsi quotidiennement. Quelle cause veux-tu? Mon chéri, je ne sais pas, je cherche. Mais puisque tu me dis que rien n'explique, que rien ne justifie ce cauchemar répété, eh bien, n'en parlons plus. Ah, si. Parlons-en, justement. Enfin, toi, à ma place. Comment l'entends-tu? J'ai pas envie de plaisanter, hein, je t'assure. Songe à moi. Alors rêve de moi. N'en doute pas, chérie. Dis-moi, c'est loin le kiosque où tu vas chercher tes journaux tous les soirs? Non, c'est à deux pas. Qu'est-ce que tu veux? Madame a sonné. Oui. Oui, mais c'est Madeleine que j'ai appelé sonner. Oui. Oui, c'est Madeleine. Oui, en effet, Madeleine, c'est debout seulement. Voilà, madame. Madeleine est partie. Madeleine est partie? Oui, elle est partie. Je veux dire, elle est sortie. Elle est allée chez le. Le tatien. Voilà. Eh bien, on voit Désiré. Quel journal veux-tu, ma chérie? Ce n'est pas un journal que je voudrais. Vous savez, oui, le kiosque où je prends les journaux tous les soirs. Ah oui, monsieur. Attendez! Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas un journal. Alors, qu'est-ce que tu voudrais, ma chérie? Oui, que madame dise ce qu'elle désire. C'est un petit livre bleu qui est accroché à gauche en entrant. Un petit livre bleu. Et qui s'appelle? La clé des songes. Ah, malheureusement, madame, elle ne l'a plus. Comment ça? Non, il ne lui en restait qu'un, et je l'ai lui acheté il y a 2 jours. Mais si madame, vous me permettez de lui prêter bien. Merci. Allez, ça va. Ça va. Ça va, monsieur. Oui, mais merci. Ça va. En ce moment, merci. Ça va. Je ne vous demande pas de vos nouvelles, je vous dis ça va. Allez. Ah bon, mais pardon. Ça y est, hein? Il entend tout de sa chambre. Mais non, mais non. Ah, mais si, mais si. Et il aura voulu savoir ce que signifiaient mes rêves. Calme-toi, calme-toi. Veux-tu te calmer, voyons? Amuse-toi donc plutôt à rechercher là-dedans si tu trouves l'explication de ce qui t'intéresse. Ah, oui. Mais alors, on va laisser le livre s'ouvrir de lui-même. Comme ça, on verra quelle page il a le plus lu. Ça n'est pas bête. Rêves érotiques,
Les rêves érotiques sont le témoignage d'un amour inconscient. Toujours involontaire, dont le cœur de l'intéressé n'est pas encore informé. Ah, oh, mais c'est génial! Mais ce texte est stupide! Et ce qui est encore plus, mon chéri, c'est de consulter sérieusement un livre pareil! Mais non, mais. Ah, mais faut forcer à une autre page maintenant! Mais non, ce serait bien plus maladroit! Regarde ce que tu as fait! Ah ben, j'en sais rien, juste oui, à la fin! Tu as abîmé la page, faut l'arracher complètement maintenant! Mais non, mais non! Il va voir ce que j'ai voulu lire! Eh ben, il le verra! Mince alors! Félix! Félix, je t'en supplie, renvoie-le! Mais non, mais comment? Pas du tout! Imagine que ce garçon t'ait vraiment entendu rêver! Que penserait-il de nous si tout à coup nous mettions à la porte sans aucune raison? Ah, zut à la fin! Oh! Mon Dieu, que je m'en veux de t'avoir raconté toutes ces histoires! Putain, ce livre! Qu'est-ce qui sonne comme ça? C'était le. Sorry. 8h10, allons nous habiller. Ah, pourquoi? Comment pourquoi? Tu sais bien que nous avons les corniches à dîner. C'est vrai. Allez. Tu ne me méprises pas trop, tu. Mais non, voyons. Allez, va t'habiller. Oh. Dois-je mettre le couvert, monsieur le ministre? Je pense bien. Vous êtes même déjà en retard. Il faut être ponctuel dans son service, mon ami. Oh, ça soulage d'être injuste. Jamais mettre le couvert avant 8h15, il est 8h10. De mauvaise humeur. Rêves érotiques. Attention, vous voyez bien que c'est pas droit. Oh, c'est presque droit. Ah, c'est tout, ça, hein. Presque droit, presque bien, presque au milieu, ça vous suffit. Non, moi, ça me suffit pas. Oh, parce que vous êtes méticuleux. Je ne suis pas méticuleux, seulement j'aime bien faire ce que je fais. Vous faisiez mieux votre travail, vous l'aimeriez davantage. Vous pouvez être désagréable quand vous vous y mettez, vous. Je ne suis pas désagréable, mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'aime pas vos manières. Mes manières? Oui, vos manières, à toutes les deux, allez-vous. J'aime pas qu'on soit des patrons. Et même qui vous est, j'ai horreur de ça. Ah, ça, vous pouvez pas demander à d'aller à moi d'avoir le même sentiment que vous pour madame. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous ne voyez pas ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Tiens, tiens. Alors dites-moi, je peux vous poser une question? Bah, allez, posez-la toujours. Oh, c'est un détail, hein. Mais j'aimerais savoir si au courant de la journée, vous vous souvenez des rêves que vous faites la nuit? C'est belle. Dans la nuit? Oui, quelquefois, pourquoi? Ben vous devez pas vous embêter, vous. Mais attendez! Pourquoi vous m'avez posé cette question? Pourquoi? Parce que ça fait 4 nuits que vous me réveillez en poussant des grognements et en disant des choses qui ne laissent aucun doute sur la nature de vos rêves. Ni d'ailleurs à qui vous pensez. Oh, ben c'est pas la peine de rougir comme ça, hein.
Mais méfiez-vous, si vous ne voulez pas que tout le monde soit informé dans la maison. Mais oui, les architectes, ils pensent pas à ça en construisant leur villa. Alors méfiez-vous. Non, mais je vous en prie, vous ne parlez pas si haut. Non, ne parlez pas si haut. Bah, faut pas vous énerver comme ça. Calmez-vous. Mais faut pas vous mettre dans un état pareil. Ce n'est pas votre faute, c'est comme une crise qui dirait. Oh, regardez ce que vous faites à votre fourchette. Hein? Oh. Vous n'êtes pas responsable. Songe mensonge, comme on dit. Seulement, ça m'aurait bien amusé de savoir si vous pouvez signifier des rêves de ce genre. Alors, tout à l'heure, je suis allée au kiosque à journaux pour acheter la clé des songes. Et la bonne femme m'a dit que le dernier qu'elle avait, elle vous l'avait vendu avant-hier. Oh non! Ah, ben je vois que vous l'avez, vous ne le quittez pas, vous ne voulez pas me prêter? Ah non, mais non. Allez, prêtez-moi. Non. Pourquoi? Parce que quoi? Mais parce qu'il ne faut pas laisser traîner un livre comme ça. Mais je ne le laisserai pas traîner. Allez, prêtez-le-moi. J'ai été gentille. Bon, je veux bien, mais alors, cachez-le, hein, parce que... Ça vous ennuie que je vous ai parlé de ça? Non, ce qui m'embête, c'est que vous m'ayez entendu. Oh, vous avez peur que j'en parle à madame? Non, je ne crois pas capable d'une malhonnêteté pareille. Non, mais ce qui me fait peur, c'est de penser que monsieur et madame n'aient pu m'entendre. Et se m'ont pas entendu hier. Ils peuvent m'entendre cette nuit, si ça me reprend. Et qu'on en a parlé plus que moi, ça va sûrement me reprendre. Hein. Imaginez qu'ils m'entendent tous les deux l'appeler Odette. Mais non, vous l'appelez madame. C'est la troisième personne. Oui. Bon, c'est encore plus grave, ça. Je ne vais plus oser me coucher, moi, ni m'endormir. Allez, faut pas vous mettre dans un état pareil. Puis attendez, ce n'est pas tout. Oh non, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ce n'est pas une raison, parce que moi je vous entends, que vous entendez aussi. Qui m'entend aussi? Vous voulez qu'on fasse quelque chose tout à l'heure pendant le temps de mon café? Ah oui, c'est une idée, oui, je crois que ça me ferait du bien. Vous irez dans votre chambre. Dans ma chambre. Moi, j'irai dans celle de madame. Madame, on ne pourra rien faire. Oh, idiot. Vous parlerez fort, et moi, je vous dirai si je vous ai entendu. Ah oui, non, parce que moi, j'ai pensé... Non. Bon, ben, c'est quand même une bonne idée. Vous voyez, je ne suis pas si méchante que ça. C'est vrai. Alors, amie? Amie. Bon, allez, on n'a pas fini. L'échelle. Alors dites, vous en passez pour elle? Mais vous êtes folle, ne dites pas des choses comme ça. Mais pourquoi vous rêvez d'elle alors? Est-ce que je sais? Est-ce qu'on est responsable des rêves que l'on fait? Oh, ça bien sûr, mais enfin, c'est la conséquence des choses auxquelles on a pensé dans la journée quand mais même. Mais pas du tout. Qu'est-ce qu'ils disent dans le bouquin? Rien. Des bêtises. Bon allez, je file m'habiller. Pas un mot. Pas un mot. C'est juré. Seulement, avouez-moi que vous l'aimez. Oh, mais vous êtes jalouse. Ouais. Quoi? J'aime pas les valets de chambre. Bah, peut-être sans temps, hein. Moi, j'aime pas les bonnes. Les rêves érotiques sont le témoignage d'un amour inconscient, toujours involontaire, dont le cœur de l'intéressé n'est pas encore informé. Qu'est-ce que vous lisez là, Madeleine? Rien, monsieur le ministre. Montrez-moi ça. Il est bien à vous, ce livre. Non, monsieur le ministre. Merci, Madeleine. Rêves érotiques. Sur le témoignage d'un amour inconscient, toujours volontaire, pas encore informé. Odette! Oui? Quelle heure est-il à la pendule de la chambre? 8h30, chérie. Oh, si Corniche est au casino, à quelle heure allons-nous dîner? C'est pas ton pendule que tu as dit! Ça ne fait rien! Quoi?
Rien. En tout cas, si on n'entend pas mieux du premier au second que du rez-de-chaussée au premier, tout va bien. Qu'elle est jolie, c'est qu'elle s'habille de façon provocante. N'essayez pas de nous mettre ça sur le dos. Les hommes qui croient que les femmes s'habillent pour eux sont des naïfs. Ce n'est pas pour les hommes que vous habillez, mais contre les femmes. Oui, mais si c'est pour les femmes que nous mettons de jolies robes, c'est pour vous qu'on les retire. C'est qu'encore heureux. Bon, dis, tu seras gentil avec moi pendant le dîner. Hein. Mais bien sûr. Après dîner. On ira une heure au casino et puis on rentrera bien vite, hein, tu veux? Oui. Oh, je suis contente que ma robe te plaise. Tu ne trouves pas que j'ai un peu l'air d'une femme mariée comme ça? Pas très. Si, trop. Ah ben, pourquoi trop? Parce que je vois pas l'intérêt que ça peut avoir. Oh, ah oui. Que ce n'est pas agréable d'avoir dans sa vie une femme qui se tient tellement bien pour qu'un homme oserait lui manquer de respect? Mais si, mais si. Tu vois un homme osant faire la cour? Non. Quand je pense à toutes ces femmes qu'on croise au casino, aux courses, qui se tiennent mal, qui font de l'œil, tu ne voudrais tout de même pas que j'ai l'air d'une grue? Oh, d'une grue. Quelle idée. À propos, quelle était cette comédienne de variété qui était là tantôt avec une robe verte? Jeanne Valrenne. Ah oui, c'est ça. Elle ne manque pas d'une certaine allure, non? Bon, je suis quand même mieux qu'elle, non? Bon, tu es une blague. Je suis mieux que Madeleine, non? Madeleine qui? Ma femme de chambre. Tout à l'heure, tu as dit que c'était une jolie fille. Elle est assez jolie fille, en effet. Surtout depuis qu'elle a les cheveux décolorés. Avec ça, tu épouserais une femme qui a les cheveux décolorés. Tu ferais remarquer que je n'ai jamais eu l'intention d'épouser Madeleine. Ouais. Ni qui que ce soit d'ailleurs. Pas plus moi qu'une autre. Toi moins qu'une autre. Mais pourquoi? Parce que je t'aime trop pour ça. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ça veut dire que. Je sais pas. Ça veut dire que je crois que vous aimez. Tiens. Et voilà. Je crois qu'elle est seule. Hein? Non, c'est pas possible. Oh, il est assommant, c'est chaque fois la même chose. Je voudrais quand même savoir que quand on a une femme sourde comme un pont, on ne vous l'envoie pas comme ça en éclaireur. Il a beau être un homme remarquable, il restera toujours. Et elle, une raseuse. Pourtant oh, comment t'as vu, Viens c'est plus Corniche, c'est mon Lascar. Une raison parce que votre mari ne peut s'arracher à sa table de baccarat pour que nous mangions une selle d'agneau calcinée tous les trois, n'est-ce pas? Absolument. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien du tout, rien du tout. Venez, cher ami, asseyez-vous. Elle n'a pas entendu ce que j'ai dit? Non, non. Ah ben, j'ai pourtant crié assez fort. Ben, il faut croire que non. Et c'est là que je me mets. Oui, et là, c'est la place de votre mari. Ah, la place de mon mari. Il n'y a pas de potage. Oh, mais oui. C'est une très belle plage. Oh, oui. Ça n'aura pas duré longtemps. C'était bateau, là, vraiment. En fait, moi, je m'en fous. Corniche, il me paiera ce coup-là. Parce que ces matins, pour discuter affaires, j'enverrai quelqu'un que je connais qui bégait. Non mais vraiment, quand on a une femme sourde à ce point-là, on la garde à la maison, hein.
J'adore le homard. Je ne sais pas qu'il entend de moins en moins. Ça doit être l'air de la mer, si c'est ça. Oui, c'est possible. C'est possible. Je disais donc, j'adore le homard. Oui, mais c'est de la langouste. De la langouste. Oh mon Dieu. Oh, oh oui, certainement. Hein. Oh, oh mon Dieu. Oh, tant pis, hein. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a compris, là? Ah, toujours des choses qu'elle ne comprend pas parce qu'elle n'entend pas, c'est tout. Il est si tendre. Oui. Mais de qui parle-t-elle? Ben, du langouste, toujours du langouste. Ça sent la mer. Elle peut quand même pas sortir le calyptus. Mais c'est tout de même écrit pour parler comme ça, non, elle se réveille à la conversation. Bah, j'en veux bien, regarde là, la profite pour bouffer comme quatre. C'est remontant. Parce qu'elle est sourde et qu'elle ne se rend pas compte. Si tendre. Tant pis pour lui. Il n'en aura pas. mon Dieu, mais en plus, elle est complètement titienne. T'as peur pour son pauvre mari. Il a été pêché ce matin. Votre mari est allé à la pêche ce matin? Non, le homard. Il a sûrement été pêché ce matin. Ah ben, j'espère bien, oui. Ça sent la mer, je le répète, parce que vraiment, ça sent la mer. Oui, mais il ne peut pas sentir autre chose, hein? Elle a tort de parler comme ça. Madame se fait bien. Madame devrait au contraire parler tout doucement, mais en articulant bien. De cette façon, c'est une dame pour lire sur les lèvres de madame les phrases qu'elle prononce et sur celles de monsieur quand ce serait à son tour de parler. Ou alors, c'est dans l'oreille même qu'il faut crier. Comme ça. Et t'as le bon degré ? S'il vous plaît, oui. En effet. Dites donc, Désiré. Monsieur le ministre. Fermez-nous très vite que ce repas ne dure pas une heure. Très bien, monsieur le ministre. J'en plus fait de garde, vous voyez. Très bien, monsieur le ministre. Les assiettes en pied. Comment? Je n'ai pas entendu ce que vous me disiez. Aussi, vous êtes un peu dur d'oreille. Très bien, oui. Mais il est vrai qu'en parlant bas et en articulant, elle comprend presque tout. Oui, mais à moi, il n'a pas besoin de me parler. Alors, qu'est-ce que vous me disiez? Je vous disais que votre nouveau valet de chambre était très bien. Le voilà renseigné. 10h15. Oh, quelle heure est-il? 10h15. Je ne vois pas. Et en plus, elle est myope. 10h15? Oh mon Dieu, l'argent qu'il doit perdre à l'heure qu'il est. Sa société ne lui dit pas que dans sa situation, on a dû
industriel se fait du tort en jouant aussi gros jeu. Oh non, ben non, au contraire. Il le fait en accord avec sa société. L'argent qu'il gagne est pour lui, et les deux tiers de l'argent qu'il perd entrent dans le compte de la publicité de la maison. Et moi, moi, je suis contente. Au fond, ces longues périodes de silence ne sont pas désagréables. Non, ça dit. Vous jouez au baccarat, vous? Non, jamais, madame. Oh, pardon, monsieur le ministre. Non, jamais. Évidemment, un ministre. Je joue seulement aux courses. Oh, c'est mieux les chevaux. C'est la plus noble conquête de l'homme. C'est toujours ce que dit mon médecin. Oh. Quel rapport? Je profite de ce que votre valet de chambre est parti pour... Il est là. Oh. Madame, veut-elle que je sorte? Oh, non, non, pas du tout, restez. Désiré. Monsieur le ministre. Ne repassez pas le carré d'agneau. Très bien, monsieur le ministre. Dois-je faire sauter aussi la salade russe? Oui, seulement... Comment enlever le menu? Que madame regarde ostensiblement dans cette direction. Oh, comme c'est joli! Je croyais que c'était mon mari! Non, non, c'était le reflet de la lune. Oh, mais c'est la même chose! Elle, bon. Mais toi, tu n'as pas froid avec cette fenêtre ouverte? Non, mais je supporte très bien la petite écharpe sur le canapé. Je vais la donner à madame. Laissez, je m'en occupe. Mais c'est à moi non, de le faire. Je vous ai dit, je m'en occupe. Merci, Désiré. Et alors, comment ça s'est passé? Eh bien, alors,
Enfin, j'ai perdu. Combien? 100 000. Oh. Ah, vous avez une robe. J'avais une robe. Oh, dit la robe. Ravissant. C'est exact. On demande monsieur le ministre au téléphone. Enfin, monsieur. Moi. Non, monsieur le ministre. Ah, oh. Qui me demande? Le chef de cabinet de monsieur le ministre. Oh, mais qu'est-ce qu'ils me veulent encore? J'y vais. Cher ami. Moi, je sais ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il y a? Le cabinet a démissionné. Non. Oui, si, il y a une heure. Il a appelé au casino tout à l'heure. Et Félix, alors? Félix, il n'est plus ministre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, allons-y. On lui raconte une histoire ou on lui dit la vérité? Bon, allons-y. Je sais que la France est provisoirement en République. Oui, oui, oui. Bon, eh bien, le gouvernement provisoire actuel de la République a fait une chute grave. Faux. Autrement dit, le cabinet a démissionné. Non. Si. Et alors, mon tignac? Sur le pavé. Je me permets de vous demander, madame, dans quel but vous êtes si délicieusement adorable ce soir? En a-t-il une humaine, hein, ce Montignac? Oh, c'est à vous tous ces jolis yeux. Je ne vous gêne pas, moi, quand vous fassez des compliments. Tout dépend du compliment et de celui qui l'adresse. Ah, bien. Madame, vous remarquez fait ici? Oui. N'est-ce pas? Mais oui, pourvu que nous le prenions ensemble. Qu'est-ce que c'était cette robe que vous portiez, cette fourrure disons, que vous portiez hier soir au casino? De l'air d'été. Ah, eh bien, elle vous arrivait à la porter d'une manière extraordinaire, cette fourrure d'été. Bon, d'ailleurs, qu'est-ce qui ne vous irait pas du reste? Même un homme plus très jeune vous irait encore très bien. Ouais, je crois que vous allez un peu loin. Hein. Ah, un peu loin, que j'aimerais tellement vous y amener. Parce que vous sentez bon. Fine. Ah oui, fine. Excessivement fine. Vous avez vu l'œil de votre valet de chambre? Non. Il avait l'air furieux que je vous fasse des compliments. Je sais pas s'il est payé pour vous surveiller, mais vous savez. Et ça ferait lui plaire que je vous fasse des compliments. Ah, ben alors. Enfin, bon. Passons là-dessus. Pourtant, c'est une coïncidence fort agréable, ce soir. Comment ça? Et même une riche, une très riche coïncidence. Et elle? Oh, elle peut s'en passer, alors. Mes amis, je vous annonce une nouvelle bouleversante. Le ministère démissionnaire. Ah oui. Oui. Comment ça, vous le saviez? Oui, je l'ai appris au casino tout à l'heure. Il vient de me le dire à l'instant. Oh, c'est inconcevable. Peut-être qu'on démissionne sans même nous en avertir. Mais pour qui nous prend-il? Je viens de l'appeler là au téléphone et je vais lui dire franchement ce que j'en pense. Ah, c'est que nous étions là, deux ou trois qui gênions un peu trop. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous balance.
pour reconstituer son ministère avec quelques stupidités à sa dévotion. Non, c'est une honte, c'est bien simple, et je vais lui dire carrément. Monsieur le ministre, le bureau de Lisieux refuse de passer la communication après 10 heures. Eh bien, voulez-vous dire au bureau de Lisieux que c'est le ministre des Postes et Télégraphes qui demande la communication, et que s'il ne me la donne pas, eh bien, moi, je vais le mettre en congé, le bureau de Lisieux. Ah, qu'il se méfie. Quand on est ministre, on n'ose rien dire. Mais quand on ne l'est plus, on fait agir ses relations. Cher ami, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais je voudrais quand même vous dire que moi, à votre place, c'est pas ça que je ferais. Ah bon? Non, mais qu'est-ce que vous feriez? À votre place, je sauterai dans le train de 11h50, j'arriverai à Paris et je tomberai comme une bombe dans le bureau de tel plan qui ne va pas se coucher, vous le pensez bien, avant 3-4 heures du matin. Ah oui, c'était pas bête. Eh oui, parce que votre présence peut changer bien les choses. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Ah oui, oui. Dans les cas difficiles, vous savez. Le téléphone, hein. C'est juste, c'est juste. Désiré. Monsieur le ministre. Annulez la communication. Elle refuse de la passer. Je l'aurais dit. Bon alors, je vais me changer. Bah, Et je redescends. Bah oui, voilà. Désiré, venez m'aider, s'il vous plaît. Cette démission. Oh, Félix, Arnaud. Ben si. Il paraît que depuis 6 mois, il a fait 3-4 bêtises qui ont mis le bloc en situation délicate et difficile. Enfin, c'est tout au moins ce que l'on disait tout à l'heure entre deux bancos. Ah, pauvre Montignac. Je ne le vois pas ministre avant longtemps, moi. Qu'est-ce que tu dis? Nous parlons politique, mon livre, oui. Voulez-vous me permettre de vous donner très simplement, très franchement, mon opinion? Donnez toujours. Alors, ce garçon a besoin de repos. Ah bon? Oui. Alors voilà. Connaissez-vous l'Égypte? Non. Ah, moi non plus. Mais il paraît que c'est ravissant. Je n'en doute pas, oui. Alors voilà. Ce million que j'ai gagné là, ce soir, voulez-vous le partager avec moi pour un voyage en Égypte? Il faut à peu près 2 mois, je crois, pour manger 1 million quand on a de l'appétit. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Alors, je vous savais très mal élevé. Très, très mal élevé. Mais je ne pensais pas que vous auriez le tout père. De dire à la maîtresse d'un de vos amis et devant votre femme ce que vous venez de me dire. Mais je suis capable de tout quand je suis amoureux. Ne vous en vantez pas. Ah, alors c'est non? Bah, écoutez, je n'ai pas de maîtresse en ce moment. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Non, je disais, je suis sans secrétaire en ce moment. Oh, encore? Oui, c'est la même chose, oui. Je suis sans maîtresse en ce moment et je traverse une période de chance extraordinaire. Ce million que j'ai gagné là, je voulais tout simplement vous en faire profiter. Vous ne voulez pas? Bon, bien tant pis. J'en chercherai une autre. Ce sera moins bien que vous, évidemment. Un mot, pardon. Est-ce que j'ai l'air d'une grue? Vous? Oui. Une grue? Ah, oui. Ah ben sûrement non. Une grue, mais vous n'y pensez pas.
Croyez pas que je vais aller offrir 1 million pour passer deux mois en Égypte avec une grue. J'ai horreur des grues. C'est justement parce que vous avez tout d'une petite femme du monde que je dépose cette somme modique à vos pieds. Ah, décidément, les femmes ne me comprendront jamais. Parce que vous croyez que les hommes me comprennent, moi? Alors, si je comprends bien, hein, c'est parce que j'ai l'air d'une femme du monde que vous me traitez comme une grue. Ça, c'est curieux, hein, quand même. Ah oui. Oui. Vous avez raison. 6h25. Je file. Non, je file. Je vous emmène. Mon manteau, s'il vous plaît. Votre train de 11h50, là. C'était un omnibus. Je l'avais oublié. Vous ne serez pas à Paris avant 7h du matin. Alors que si nous prenons la voiture, enfin, la mienne, pas la vôtre, la mienne fait les 123. Nous serons à Paris vers 2h du matin. Eh bien, ce serait magnifique. Eh bien, oui, mais il faut que nous partions immédiatement. Eh bien, partons immédiatement. Mon chéri, je prends le train de 8h, je serai là pour déjeuner. Mais tu ne m'emmènes pas? Non, mais pourquoi faire? Bien, nous partons. Nous partons? Oui, nous partons. Mais tu le verras bien, c'est une surprise. Non, ce soir, j'ai une écharpe. Bon, eh bien, mets une écharpe, ça va être égal. Hein, voilà, allez, partons. Il peut être à 2h10 à Évreux. Il faut être à 2h10 à Évreux. Montignac. Allez, les soirées. Mais vous me laissez pas comme ça. Mais mon chéri, je suis un peu raisonnable. Pense un peu à moi. Allez, embrasse-moi vite et à demain. Je viens. Mon gentil, oui. Eh bien, si je ne suis plus ministre, je t'épouse. Oh, j'arrive. Alors, madame, qu'est-ce qui se passe? Monsieur est allé, été appelé à Paris subitement. Mais il sera là demain pour le déjeuner. Il paraît que le gouvernement est encore démissionnaire. Très bien. Pauvre pays. Alors, monsieur, va vous être ministre? Ah ben, j'espère que non. Enfin, j'espère. On ne sait jamais, quoi. Est-ce que madame va sortir ce soir? Non, je vais aller me coucher tout de suite. Vous viendrez m'aider à me déshabiller quand vous aurez fini. Je veux bien, mais si vous ne passez pas. Hein. Oh, c'était pourri. Vous avez entendu ce que monsieur disait à madame par terre? Non. Ne comptez pas sur moi pour vous dire. Eh bien, moi, je l'ai entendu. Eh bien, dites-le.
ne suis plus ministre, je t'épouse. Qu'est-ce que vous voulez ? Il vaut mieux être marié que mort. Ça dure pas longtemps. C'est pas peut-être. Peut-être aller fumer une cigarette sur la plage. Vous prenez la clé de la petite porte ? Ah non, 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 vous pouvez fermer la clé. Je passerai par la terrasse. Très bien. Ah, encore une chose. Si vous me réveillez encore cette nuit... T'as frappé à la cloison, hein, je me réveille aussi. Très bien. Bon, je vais vous aider. Bonsoir, Désiré. Bonsoir. C'est pour mes étrennes ? Voilà. Merci. Il n'y a pas de quoi. Mm-hmm.